Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Spyro 3. Alors aujourd'hui on va faire des niveaux avec Sparks, mais pas que. J'ai oublié, mais on avait aussi Terrasse de Bambou à terminer parce qu'on a encore énormément de choses à faire. Donc on va voir un petit peu parce qu'au niveau des circuits, skaters, tout ça, on a donné la fois passée. On va voir un petit peu ce que nous donne Sparks. Salut Sparks, j'ai trouvé un autre œuf. Si Sparks est prêt, il peut aller le récupérer au village des araignées. Mais let's go, on y va avec Sparks, nous. Alors, Sparks, c'est le jeu en mode vue du dessus. Donc, Sparks est quand même un personnage intégrant du jeu et encore plus dans le 3. C'est un peu notre compagnon, c'est un peu le Ratchet, enfin, c'est un peu le Clank de Ratchet, etc. Tu vois. Oh, les sacs. Alors, il y a combien ici? Il y a un œuf et il y a 200 joyaux. On peut bien sûr tirer toujours comme ceci. Ok. Moi, j'aime bien. Les niveaux avec Sparks, c'est très sympa. Hein. Voilà, c'est toujours très sympa les niveaux avec Sparks. Donc, on y va. On a une clé. Mais je la mets où ta clé, moi? Ah, il fallait juste que je me rapproche. Oh, ok. C'est pour récupérer de la vie, mais... Ah. Effectivement... Ouais, elle change de couleur aussi, hein, Sparks, ouais. Wow. Pas que je le sens pas, mais ça n'a pas les niveaux que j'ai préféré, quoi. Ah oui, merde, je faisais croix, mais je tape pas avec croix. Je vais crever parce que ça sert à rien. Bon, j'ai ça. Ah, les araignées, c'est pas ouf. C'est vrai qu'on peut se caler comme ça, c'est vrai. Ok, c'est vrai qu'on peut se caler comme ça, c'est très très bien. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est vrai qu'en faisant R1, on peut se caler et bouger qu'en direction comme ça. Ok, on peut récupérer de la vie, on récupère bien sûr des joyaux. Voilà, c'est beaucoup plus simple qu'on se cale. Au moins. Wow. Ok, ça je peux pas le péter.
on est bon. Pas que je retourne de l'autre côté, est-ce que j'ai le truc? Ah, je suis mort. Ah, Spark, ça commence. Ah, il vient pas trop au niveau là. On cherche à distance. Parfait. Récupère la clé. Oh, on est encore loin de la fin. Beaucoup trop de vie ici, hein. Ok, on a sauvegardé ici, c'est très très bien. Ah. Parfait. Parfait. Allez. Oh, j'étais là avec ma vie, hein. Normalement, j'ai sauvegardé juste en bas. C'est chaud, ça. Je déteste ça. Autant le premier niveau j'avais kiffé, autant celui-ci, voilà, pas du tout.
Autant celui-ci, pas du tout, quoi. Récupère. Ah, m'énerve ça. Ce que le pire, c'est que eux ils reviennent quoi. Ok, bon, par ici, c'est fait. En mode la vie. On est où? Ouais. Encore loin, quand même. Je sais pas ce qui s'est passé là. Okay. Oh, et ça va. Hein. En fait, le plus chiant, voilà, c'est ça. C'est qu'on repère du temps sur des trucs qu'on a déjà fait. Ok. Bon, à chaque fois on avance, mais... Ouais, mais c'est impossible, ça! Deux niveaux où on galère d'affilée, c'est relou, ça. Ok, quand c'est comme ça, on peut pas lui taper dessus. Ok, j'ai à peu près compris. Quand elle tourne, on peut pas la taper, et quand on l'invoque, on peut la taper. On est pas mal.
Ok. Ouh. Petit trophée. Toddy. Ah, cool. On a notre. Alors, il en manque combien? Voilà. Non. Non, non, non. Il en manquait un. Un seul. Un seul. Il en manquait un. Il était là. Oh non, il a la fin. On doit tout refaire. Je referai hors caméra. Je reviens pas là. Je reviendrai hors caméra. Il me manque un joyau à faire. Et on est bon. Yo, terminé à 100%. Bah ouais, mais... Ouais, il me manque pas grand chose. J'irai le chercher. On sait où ce qu'il est. Il est à la fin. On va aller au bon bout. Mais si je peux pas. Ah, mais si je finis pas celui-là. Je pourrais peut-être pas finir à chercher l'autre. Dans l'autre niveau. C'est vrai. Bon, on va faire terrasse de bambou. On verra bien après où on en est. On est déjà quand même à 16 minutes. Donc, on va voir un peu ce que ça va faire. Si pas, j'ai chercher hors caméra ou en ellipse. On fera un petit épisode, il n'y a pas très grave. Let's go. Ah, j'aime bien ce niveau. Il y avait même un nanananana. Alors, c'est là qu'on va. Ah, une belle journée pour une promenade. J'allais justement en haut de ma colline préférée. Let's go. Hey, je crois que j'ai vu des rhinocs monter en haut de cette colline avec un œuf. Well, let's go. Ça, ça se pète. Pas ton petit parapluie de Mary Poppins là qui va faire le truc hein. Bon ici il en manque encore ouais. Pas mal quand même. Ouais. Ça va le faire. Ouais, qu'est-ce qu'il veut? Voilà, on continue de monter, hein. J'avais pris tant de dégâts que ça? Je sais pas pourquoi j'avais pris de dégâts. Mais... Hey! Ah ouais, ils font. T'as vraiment de loin. Ah ouais, ok. Ah ouais, ok. Ils font un petit peu chier, eux. Hey. On a compris, oui. Un oui. Niveau relou. Go.
Il y a un niveau dans le niveau. Ok, là c'est pas mal de gros joyaux. Ouais, il en manque plus tant que ça. Hein. Ok, je peux pas. Il fallait que je passe par là obligatoirement. On chope ça. Ah non, ça c'est le début, ok. Niveau 500, ok 500. Bonne K. Il me manque un. Tiré depuis le bateau. T'es ici ça? Tiré depuis le bateau. Ça va pas être ici, ça. C'est vrai qu'on avait ça aussi qu'on a pu utiliser. Bon, on va se casser, on va regarder un petit peu. Donc, c'était... Il parle d'un truc de bateau, là. Tirer depuis le bateau. Bon, pas trop, mais... là-bas. Tire depuis le bateau. Il y a pas de bateau. Donc. Oh mais. Il y a pas vraiment de bateau. On va retourner dans le monde. Avec Bentley là. C'est quoi ici? C'est quoi ici? Aide-nous, Spyro. Mes amis essaient de rentrer chez eux après une longue journée dans les champs. Mais les Rhinocs n'arrêtent pas de... Allez, monte à bord. Ah, ok. Ah, c'est ça le bateau. Ok. Si c'est juste ça, je l'offrirai à Disney, mais...
Un bien, c'est rigolo. Ça change. Non. Je pense que aide-nous, Spyro. Oh non, allez, monte à bord. J'ai tapé un pandawa. Bon, après, c'est pas compliqué, hein. Faut juste faire attention parce que eux, oui, seront montés. Boum, boum, boum. Non, non, là, non, non. Aide-nous, Spyro. Là, je suis pas d'accord. Hein. Allez, monte à bord. Ah, des niveaux un peu relous, là, pour finir. Pour finir, Spyro. Après, là, on fait que compléter des niveaux. Dans le dernier monde, on n'aura pas ce problème. On a tous les personnages. Donc, normalement... On ne devrait pas revenir sur certains niveaux, après les niveaux à 100%. Ça fait quand même beaucoup de niveaux. Hein. Certes, il y a circuit à faire, il y a le boss final, il y a Sparks. On va pas aller trop vite. Bon, il tombe. Parfait. Normalement, il y en aurait deux. Peut-être trois. Ouais, il y a peut-être un troisième là-bas. Parfait. Voilà. Ce bel œuf en récompense. Merci, Rusty. Bah, merci beaucoup. Tu devrais essayer. Niveau fait à 100%, on va aller au carnet. Et il ne reste plus que la vallée village araignée, là, terminée. On va voyager ici. Je vais terminer dans mon coin. Je vais refaire ça. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Pour un prochain épisode. Et là, ben en fait, il va... Enfin, je vais peut-être pouvoir... On va faire un truc, attendez. Je vais peut-être pas vous laisser tout de suite. Il y a peut-être moyen qu'on parte sur un autre niveau de Sparks. Vu que je l'ai réussi, même si je n'ai pas réussi à 100%, il y a moyen que ici, je récupère le niveau, vu que je l'ai réussi de l'autre côté, et maintenant, elle est disponible. Je pense que ça risquerait de passer. On a récupéré l'œuf. Donc, peut-être qu'on va peut-être récupérer. Si pas, je le ferai dans mon coin, et on commencera par ça la fois prochaine. Et on terminera tous les niveaux annexes. Et il restera plus que le dernier monde. Et donc il faut 149 œufs dedans au total. On en a combien là? On est à 118. En vrai, ça va. Hein. Donc Spark ici, il n'est pas très loin. Il n'est pas très compliqué. Il est ici. En espérant que Zoé est là. Si Zoé est là, c'est parfait. Si elle est pas là, tant pis. Elle est là, on y va. La princesse Amy m'a montré le récif des étoiles de mer. Elle dit qu'il y a un œuf caché là-bas. Let's go. On y va avec Sparks. Ainsi, on aura un. Et on, il restera plus... Je ferai dans mon coin, j'irai chercher le dernier. Et puis, on fera vraiment que le dernier monde. Et on aura terminé Spyro. Donc, 200 et bien sûr... Un à récupérer. Alors là, on est dans l'eau.
Ok. L'étoile de mer, c'est pas mieux, hein. C'est pas une bulle protectrice, hein, que j'ai. C'est vraiment une bulle d'oxygène, donc... Ok. On récupère un peu de vie, on récupère un peu de joyaux. On va aller voir au nord. Parfait. Parfait. Rien à dire. Rien à dire. On est bon. Par ici. Il va faire un peu de dégâts. S'aligne tous. Parfait. Très très bien ça. Laissons chercher ça. Parfait ça. On est bien, on est très très bien là. Franchement, ce niveau-là a l'air quand même plus simple. On est déjà à combien là? Oh, on est quasiment à la moitié. Ok, là on peut récupérer des joyaux. On continue. Parfait. Ouais, j'ai un peu compris comment maintenant manier ça, c'est très très bien. Putain, je vais me faire buter dans 2 secondes. Voilà. Kill boss. On a combien? On a 115, on a fait plus de la moitié. Est-ce que en bas il y a rien? Ok, c'est par là-bas qu'il y a quelque chose. On se cale, on attend, on mitraille. On fait un petit peu de dégâts, c'est pas très grave. Parfait. On va récupérer le joyau. On chope un peu de vie, on récupère ça, on arrive au boss hein, normalement. Wow, wow, wow.
Ah oui, par contre, elle fait très très mal. Son cou fait mal. Ok. Ok, là ça devient plus intéressant. On trace. Parfait. Jamais sans Manta. On a notre petit. Et il manque encore quelques joyaux. Hein. Pareil pour les trucs comme ça, je ferai sans vous s'il faut. Là, je sais pas du tout où on en est. Bon, je pense pas qu'on. Voilà, on a. Voilà, on a tout. Pas de problème. On peut y aller. Pas de problème, on peut y aller. Ben voilà, maintenant il reste plus que les niveaux de du dernier monde. Et après, on aura terminé Spyro. Ça fait quand même plaisir parce que moi, Spyro, c'est quand même, c'est fin. Je le dirai, mais c'est, je le répéterai dans le générique de fin. C'est vraiment mon jeu d'enfance, clairement qu'on jouait. Ouais bon. C'était vraiment mon jeu que je jouais quand j'étais plus jeune, quand j'étais gamin. Et ouais, ça fait plaisir de retourner sur Spyro parce que Spyro, c'est la nostalgie. J'étais content quand ils l'ont refait en remaster sur la PS4. Moi, je l'avais fait sur Switch, mais j'avais fait le 1 sur Switch. J'avais commencé le 2. Et ouais. Ouais. J'avais fait le 1, 2, 3. Celui-là, je l'ai déjà fait, peut-être pas à 100%. Parce que, en fait, c'était vraiment durant les grandes vacances. Les cousins venaient chez ma grand-mère et on jouait une heure à trois. Et quand j'arrivais pas, bah, ils étaient un petit peu plus âgés que moi. Il y en avait un qui était un an plus vieux que moi et un 3 ans plus vieux que moi. Donc, oui, ça passait. J'avais peut-être quoi, 5 ans. Il en avait 8. Donc, oui, ça passait peut-être un peu plus avec lui. Mais j'étais assez content de ce petit jeu. En plus, ma mère me laissait toujours jouer à Spyro parce que bah, ça reste un jeu d'enfant, donc mais ça reste aussi un jeu très 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 bien. Donc sur ce, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.